coccinelle. Eh bien aujourd'hui je vous retrouve, j'arrive avec mes petites citrouilles. Des petites citrouilles pour le mois d'octobre, pour Halloween, pour l'automne, comme vous voulez. Hein? Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait des jolies petites citrouilles au crochet. Regardez-moi ça comme c'est mimi. Voilà, plein de petites citrouilles de toutes les couleurs, comme vous voulez. Voilà, regardez. Toute jolie, toute jolie. Eh bien, écoutez, je vais vous apprendre à faire ces petites citrouilles. Hop, on va prendre celle qui, justement, va être faite avec vous aujourd'hui, avec son petit tortillon. Regardez-moi ça. Alors, à faire ou pas, hein, le tortillon, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Donc, voilà, si vous suivez bien les explications, si vous suivez bien le tuto, vous serez en mesure de faire cette jolie petite citrouille de la couleur que vous voulez. Voilà, oups, elle tombe, c'est pas grave, voilà. Et donc, je vous mets dans la description de la vidéo tout le matériel dont vous allez avoir besoin, les liens pour commander, des petits crochets, de la laine, les liens vers les vidéos dont vous allez avoir besoin, parce qu'on va utiliser un point qu'on vient d'apprendre dans le tuto précédent sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous mets tout ça. Je pense n'avoir rien oublié. Si, bien sûr, hein, on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et bien sûr, on peut rejoindre aussi le groupe Facebook au bricolage de Coccinelle. Coccinelle, K-O-X-I-L-E-L, comme d'habitude. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le matériel qu'il va vous falloir pour faire les jolies petites citrouilles. Alors voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire les petites citrouilles. Moi j'en ai déjà fait trois, une jaune, une écrue et puis une verte. Vous allez avoir besoin de deux sortes de laine. La laine pour faire le corps de la citrouille et la laine pour faire la petite queue et le tortillon. Moi, je vais faire une citrouille orange avec vous. Donc voilà, et puis la laine verte pour faire le petit tortillon. Le crochet qui va avec, moi, ce sont des laines 3,5-4 avec un crochet numéro 4. Si vous voulez faire des citrouilles de cette grosseur-là, c'est la laine qu'il va falloir prendre. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, vous aurez besoin d'un petit... une petite aiguille à bourron pour faire les petites coutures qu'on a à faire. Et puis aussi, voilà, de la mousse pour mettre à l'intérieur de la citrouille. D'accord? Alors pour tout ça, je vous mettrai en description de la vidéo, juste en dessous, les liens pour acheter une petite trousse avec des crochets et du matériel si vous n'en avez pas encore. Et puis pour la laine que j'utilise régulièrement pour faire mes créations au crochet sur ma chaîne YouTube. Elle va très très bien cette laine. Ce sont des paquets multicolores avec plein de couleurs différentes. Et c'est vrai que pour faire des petites choses au crochet, c'est absolument parfait. J'adore cette laine, elle est douce et au crochet, franchement, ça va super bien. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo et en attendant, eh bien nous allons commencer notre petite citrouille orange. Donc vous prenez la laine que vous avez choisie pour faire le corps de votre citrouille. Donc ici on va faire la petite citrouille orange. Vous allez me faire une chaînette ici, voilà, de 20 mailles, d'accord? Alors attention, hein, 20 mailles, pas trop serrées, hein, en chaînette, hein, une, deux, pas trop lâche non plus, mais pas trop serrée, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, alors, j'en profite pour vous rappeler pour les débutants au crochet que j'ai posté
postées dernièrement, je les ai refaites, des vidéos pour les débutants avec tous les points de base, toutes les explications pour savoir comment démarrer au crochet. Donc vous pouvez vous y référer, je vous mettrai les liens dans la description, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher. Donc 20 mailles chaînettes. Ensuite, on va remplacer la première maille par une maille en l'air. Donc du coup, ça fait 21 mailles comme ça. Et pour le premier rang, vous allez me faire un rang de mailles serrées. En fait, on va travailler en côte simple. Je vous mettrai la vidéo en description. J'ai fait une vidéo pour les côtes simples au crochet, et donc je vous mettrai la vidéo en description pour vous expliquer exactement comment on fait les côtes simples, parce que du coup là je ne vais pas réexpliquer. Donc on fait le premier rang en maille serrée, voilà, et on vérifie bien qu'au bout on a 20 mailles, d'accord. Allez, c'est parti. Donc une fois que vous avez fait votre premier rang de mailles serrées, donc il y en a 20, eh bien vous reprenez votre ouvrage, voilà, de l'autre côté, on travaille toujours hein, de la gauche vers la droite, et à partir de là, on va travailler en côte simple. Donc je vous dis, hein, dans la vidéo où j'ai expliqué, là je ne vais pas réexpliquer vraiment en détail. Donc une maille en l'air pour la première, et à partir de la deuxième maille, on prend le brin sur l'arrière et pas le brin qui est devant. Donc on ne prend qu'un seul brin, donc on travaille sur le brin arrière. Voilà, pour faire des côtes simples. Voilà, on travaille comme pour les mailles serrées, mais juste sur le brin arrière. Je vous dis, si vous voulez apprendre ça correctement, vous allez voir la vidéo, je mets le lien en dessous. Hein. Voilà. Et on va travailler en côte simple, comme ça. Donc jusqu'au bout, on vérifie bien hein, au bout qu'on a fait nos 20 mailles. Et on retourne et on continue comme ça, toujours en travaillant sur le brin arrière. Et vous allez me faire comme ça un travail qui va mesurer 26 cm. D'accord? Allez, je vous laisse faire ça. Voilà, donc on continue comme ceci jusqu'au bout. Après, on retourne et on continue. Et on me fait 26 cm de ces côtes simples. On n'oublie pas la dernière qui est des fois un petit peu sportive à aller chercher. C'est-à-dire que là, il me reste deux mailles. Donc, hop. Et la dernière, c'est bien celle-ci. Regardez. Hein? On n'oublie pas d'aller la chercher parce qu'autrement, il vous manquera une maille. Hein? Et après, vous comptez que vous ayez toujours bien 20 mailles en comptant la première qui est donc une maille en l'air. D'accord? Et on continue comme ça. Voilà, là je suis à mi-chemin, on fait 26 cm. Ça y est, j'ai mes 26 cm donc de côte simple. Alors maintenant, l'idée ça va être de coudre ici, voilà, pour faire une espèce de cylindre, comme ça, d'accord? Alors là vous avez deux choix, soit vous coupez de toute façon une bonne longueur de fil, parce que on va en avoir besoin. Vous arrêtez le travail et puis avec l'aiguille, vous allez coudre point par point ici, hein, tout le long du petit cylindre qu'on est en train de faire là. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment coudre au crochet hein, deux pièces ensemble. Là, c'est une seule, mais comme on la met, comme on l'a retournée sur elle-même, du coup, ça fait comme si on cousait deux pièces. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Alors, moi, je vous propose autre chose. Vous allez pouvoir coudre ces deux parties directement avec le crochet. Moi, c'est ce que je fais.
trouve ça super sympa, très pratique. Donc voilà comment vous allez faire. Vous allez faire une maille en l'air, comme ça, pour avoir un petit peu plus d'aisance. Et puis vous allez passer dans le premier trou ici, ok, hein? Vous passez dans le premier trou, ici, comme ça, hein? Et puis vous allez venir chercher le fil qui est ici, d'accord? Et vous allez me faire une maille coulée, c'est-à-dire vous passez tout, voilà, sur le... sans crocheter, hein, d'accord? Donc deuxième trou, on vient chercher le fil qui est ici. Là, j'ai deux fils, un fil, hein, regardez, comme ça, sans trop serrer bien sûr, voilà, comme ça. Allez, troisième trou, voilà, hop, on laisse tout un petit peu lâche. Je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Ça, vous allez faire ça sur toute la longueur du corps de la citrouille. Et regardez, en fait, voilà, ça nous reconstitue une bande en relief comme on avait pour les autres côtes. Donc c'est juste parfait, voyez, comme ça. Allez, on va jusqu'au bout et on regarde où on en est. Si vous avez tout bien fait, eh bien voilà, vous avez reconstitué une petite bande en relief comme on avait déjà avec les côtes. Donc là, vous arrivez au bout. Vous arrêtez votre travail. Voilà. Comme ceci. Et puis, maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre l'aiguille. Vous enfilez le fil dedans, la laine. Comme ceci, voilà. Et puis comme vous avez suffisamment de laine, parce que je vous avais dit d'en garder, voilà ce que vous allez faire. Ici, le but, c'est de resserrer, d'accord, hein, pour faire le dessous de la citrouille, ou le dessus, c'est pas très grave, de toute façon, des deux côtés, il faut qu'on fasse la même chose. Donc là, regardez ce que vous allez faire. Vous allez passer le fil comme ça, l'aiguille, au milieu des côtes, on la rentre au milieu ici, on la rentre au milieu de deux, on la ressort au milieu de deux, on rentre au milieu de deux, vous restez bien au bord, hein, et vous ressortez, hop, comme ceci, d'accord? Et puis, vous tirez. Allez, c'est parti, c'est tout simple. Voilà, j'ai mes chiens qui aboient, c'est pas très grave, c'est normal. Voilà. Allez, on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, c'est pas la peine de faire plus, hein, ça suffit pour resserrer le bas ou le haut de la citrouille. De toute façon, ce sera la même chose des deux côtés. Hop, hop. Et quand on arrive à la fin, voilà, là, vous pouvez serrer comme il faut, ici, vous voyez, voilà, et puis ici, pour qu'il n'y ait pas de petits trous, vous allez piquer comme ça, un petit peu en travers, comme ceci, pour boucher le petit trou, voilà, qui est sur ce côté-là, regardez où vous en êtes, hein. Voilà. Hop. Comme ceci, voilà, et puis voilà ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous expliquer. Voilà, comme ça. Donc maintenant vous avez un des petits côtés de la citrouille qui commence à se former. Donc alors ici, maintenant, le petit fil du début, vous pouvez le couper comme ça et puis le laisser dedans. Et vous allez mettre de la mousse. Je vous mettrai tout ça, si vous n'avez pas ça, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Mettez la petite mousse comme ça.
Hein, vous en mettez suffisamment. Pas trop, pas trop peu. Hein. Et puis après, je vous montre ce qu'on fait. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Regardez, vous allez passer le fil au travers de la citrouille, comme ça. D'accord ? Passez le fil au milieu, comme ça. Vous allez vous raccrocher sur un des bords, ici, par exemple. Voilà. Et vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Allez, hop, on referme la citrouille en passant le fil à chaque fois au milieu des côtes comme ceci. D'accord? Allez, hop. Voilà, vous continuez jusqu'au bout. Et quand vous serez presque arrivé au bout, vous pouvez remettre un petit peu de mousse si vous trouvez qu'elle n'est pas assez... qu'elle n'est pas assez pleine en fait, d'accord? J'ai ajouté un petit peu de mousse pour qu'elle soit bien dodue. Hein. Donc après, ce que vous faites la même chose que de l'autre côté. Vous tirez comme ça. Hein. Vous refermez comme on a fait aussi de l'autre côté. Voilà, pour qu'on n'ait pas le petit trou. Voilà. Donc là, vous êtes en train de faire le haut et le bas, en fait, hein, de la citrouille. Voilà, vous faites plusieurs petits points pour que ça referme bien le petit trou, d'accord, comme ça. Et puis après, voilà ce que vous allez faire. Regardez bien. Vous allez piquer à nouveau ici et vous le ressortez de l'autre côté encore une fois. Parce que en faisant ça, regardez, pour arrêter le travail, vous allez bien tirer dessus, comme ça. Ça va donner une forme de citrouille. Vous voyez, comme ça. Hein, ça va l'aplatir un petit peu des deux côtés. Et c'est ce qu'on veut, en fait. Donc là, vous allez bien tirer, comme ceci. Et vous allez arrêter votre fil en tirant bien comme ça. Ok ? Donc, hop, on passe ici. C'est un peu du sport là, mais il faut que ça soit bien fait parce que c'est ce qui donne un petit peu c'est ce qui donne la forme de citrouille hein, pour le coup. Hein. Voilà, en tirant comme ça. Voilà. Allez, et on arrête le travail. Donc pour arrêter, hop, on passe autour de son aiguille, on tire et hop, voilà. Hein. Et si vous voulez que le fil disparaissent, vous faites comme ça au pire, hop, là, je l'arrête au milieu de la citrouille, et voilà, notre petite citrouille, regardez, elle a une petite forme correcte, il ne faut pas que ce soit trop régulier, hein, d'accord, faut qu'on ait l'impression qu'elle ait des petites boules, vous la remettez un peu en place comme ça, bon, allez, ça c'est ok, maintenant, on va attaquer la petite queue de la citrouille, ici, avec le petit tortillon. Allez, c'est parti. Pour faire la petite queue, vous prenez donc un fil vert. Allez, c'est parti. Et vous me faites une chaînette pas trop serrée de 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air et là vous allez travailler sur les 5 mailles, vous allez travailler en maille serrée, d'accord? Allez, c'est parti, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Vous tournez, allez, une maille en l'air pour remplacer la première et on travaille comme ça, 1, 2, 3, 4 et 5,
Voilà. Vous allez travailler comme ça. Vous allez m'en faire 5 rangs. Donc là, on en a déjà 2 qui sont faits. Hein? Ok? Voilà. Allez, on a déjà 2. Donc, on en a encore 3 à faire. Et je vous retrouve au bout pour vous montrer ce qu'on va faire. Alors, ça va vous faire un petit carré. D'accord? Là, il faut qu'on replie la petite queue sur elle-même. Et on va soit la coudre comme vous voulez, hein, avec l'aiguille. C'est exactement le même choix que tout à l'heure. Soit vous la cousez point par point comme ça avec l'aiguille, soit vous la cousez directement avec le crochet. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve ça super pratique, hein. Donc, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, une maille en l'air. Et puis donc, on va passer comme tout à l'heure ici dans le trou. Et on va chercher donc un fil en face. Attendez. Oh, c'est un peu sportif, mais ça va le faire. Et on passe tout en maille coulée. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure. Et on passe tout en maille coulée, sans trop serrer. On va coudre la petite queue comme ceci jusqu'au bout. Voilà. Hop. C'est tout bon. Voilà. Encore un. Allez. Quand on travaille des petites pièces comme ça, c'est jamais simple de voir où on en est et tout. Voilà la petite queue, hein, d'accord? Bon, on la fermera sur le dessus après avec le petit fil qui reste là. Là, pour qu'il n'y ait pas de trou. Ouais, c'est pas un gros trou, hein, mais on la fermera après. Voilà, bon, sans arrêter le fil, on va faire le petit tortillon. Pour faire le petit tortillon, vous allez me faire une chaînette de 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans trop serrer. Hein. 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Bon. Alors, écoutez bien. Une maille en l'air. Et à partir de là, dans chaque maille, vous allez faire 4 mailles serrées. Regardez, 1, 2, 3, à chaque fois vous repiquez dans la même, excusez-moi, 3, c'est pas toujours évident, une fois que vous aurez pris le coup, vous verrez, ça va, et 4. Voilà, parce qu'après on le voit bien le petit trou, et comme ça, d'accord? Allez, attention, faut aller dans la suivante, donc vous ramenez un petit peu tout ici, et vous devez piquer dans celle-là, pas dans celle-là, hein, ici. Je sais, c'est pas facile, mais bon, c'est à faire une seule fois. Hein. Allez, hein, c'est pour ça qu'il faut pas trop serrer la maille chaînette au début. Hein. 2... 3, 4. Voilà. Et puis, on laisse tourner. Hein. Si ça va vouloir tourner, donc vous laissez tourner. Ok? Allez, on est parti ici. Dans celle-ci. Attention, ce n'est pas celle-ci. Hein. Si vous voulez que ça tourne, il ne faut pas en louper une. Et ça, je vous assure que ce n'est pas toujours évident, mais ça le fait. 2, je voulais aller trop vite. 3 et 4. Et vous allez faire ça sur les 15 mailles qu'on a préparées. Et vous allez voir que en faisant ça, ça va se mettre à faire un petit tortillon tout seul. D'accord? Allez, on fait ça jusqu'au bout des 15. Une fois que vous arrivez au niveau de la petite queue, voilà, vous avez votre petit tortillon qui s'est formé.
vous le remettez un petit peu en place, hein, vous allez voir, ça se remet bien tout seul comme ça. Alors, si vous n'avez pas envie de faire le tortillon parce que vous trouvez que c'est trop dur, vous faites juste une petite queue. Hein, elle sera jolie aussi, regardez, ça fera une petite citrouille comme ça, avec juste la petite queue, d'accord? Le tortillon, c'est en plus, c'est la partie un peu difficile de la vidéo, donc vous faites ou vous faites pas. Pour tout vous dire, vous savez que les petits tortillons, là, ça peut être utile pour tout un tas de trucs. Nous, on avait fait un petit tortillon comme ça, avec deux couleurs, et des petits morceaux qui pendaient comme ça, pour faire un jouet à notre chat. Et franchement, il adore ce jouet, il l'a encore d'ailleurs, hein. Donc c'est très rigolo. Bon, après, franchement, le petit tortillon, ça fait tout dans la petite citrouille, vous faites comme vous voulez, hein. Bon, allez, on coupe le fil, on arrête ceci, hein. Et puis maintenant, eh ben, tout simplement, vous allez venir me faire 2-3 petits points sur le haut pour fermer. Pour fermer le haut de la queue, vous pourrez repasser à l'intérieur comme ça. Vous allez vous retrouver avec vos deux fils ici. Et on va juste coudre avec un des fils tout ça sur le haut de la petite citrouille. Allez, je fais ça. Donc voilà, vous pouvez commencer avec ce fil-là. Vous cousez le haut, vous le passez à l'intérieur du tube. Et puis vous me cousez ça avec des petits points tout autour. Là. Sur le haut de la citrouille. Allez, je vous retrouve quand c'est fait. Allez, j'ai cousu ma petite queue à petits points tout autour comme ça sur le haut de ma citrouille. Voilà, vous remettez tout un petit peu en place comme ça. Éventuellement, si vous voulez que ça tienne bien, voilà, vous pouvez hop, faire un petit nœud avec les fils qui restent là. Hop, et puis les deux petits fils, on se débrouille. On peut faire, voilà, on peut aller les mettre à l'intérieur de la citrouille. Par exemple, vous voyez, vous faites comme ça, vous pouvez les prendre même les deux en même temps. Attendez, pas faire n'importe quoi. Comme ça. Voilà, vous les mettez les deux sur le fil. Et puis, hop, vous emmenez ça à l'intérieur de la citrouille. Vous coupez, attention, hein, vous ne coupez pas la citrouille. Hop. Et on les fait repartir à l'intérieur, comme ça on les voit plus. Voilà. Et puis notre petite citrouille orange, elle est terminée. Alors vous remettez tout en place, hein, pour que ça se tienne bien, que ça soit, que ça ait un petit design un petit peu naturel, comme ça, hein. Voilà. Et puis vous la mettez avec les autres. Et puis c'est tout nickel. Alors bien entendu, je vous répète que moi, les petits modèles que je fais au crochet, que ce soit n'importe quoi d'ailleurs, je ne prends pas de modèles. Ce sont toutes des créations personnelles. C'est-à-dire que voilà, je me débrouille toute seule, je fais mes petits modèles moi-même. D'accord, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir faire vos petites citrouilles. Donc pour le mois d'octobre, pour Halloween, comme vous voulez. Si ça vous chante, vous pouvez même lui mettre des petits yeux, un nez, une bouche pour faire une petite citrouille d'Halloween. Par exemple, en collant de la feutrine comme on a fait sur les maniques, hein, comme vous voulez. Voilà. Ou alors, vous les laissez comme ça, vous les mettez dans un petit panier. Franchement, pour l'automne, c'est super sympa, hein, d'avoir des petites citrouilles comme ça. Voilà, voilà. Allez, on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et on se retrouve dans pas très très longtemps pour une vidéo, un tuto pour faire un vêtement. Je vous dis pas quoi, donc c'est pareil. Création personnelle, je suis en train de réfléchir à tout ça. À bientôt mes loulous et bon crochet !